qu'est-ce qui se passe quand on retrouve, 7 ans, 10 ans après, quelqu'un qu'on a profondément aimé? 7 ans après un divorce orageux, un couple que tout oppose va être obligé de se reformer pour essayer de retrouver leur fils, un adolescent de 15 ans qui est mystérieusement disparu. D'un côté, on a Nikki, un ancien mannequin, très belle femme, issue d'un milieu populaire, artiste bohème, pleine de vie. Et de l'autre, on a Sébastienne, qui lui est issu d'une vieille famille, qui est luthier à Manhattan, qui est quelqu'un de beaucoup plus réfléchi, méticuleux, pondéré. Au début, les contraires s'attirent. Ils tombent amoureux, ils se marient assez rapidement. Ils ont deux enfants, deux jumeaux, Jérémy et Camille. Et puis, le couple explose. Ils se quittent en très mauvais termes. Et alors la solution retenue, c'est une situation qui est très étrange puisque chacun des parents obtient la garde d'un des jumeaux. Et donc pendant 7 ans, chacun refait sa vie très loin de l'autre. Ils ne se voient plus, ils ne se parlent plus, ils n'ont plus rien en commun. Sauf qu'un jour, le téléphone sonne, Sébastien répond, et là il y a son ex-femme qui lui apprend en fait que leur fils, Jérémy, qui a 15 ans, a disparu depuis 3 jours. Et ce qui s'annonce comme une simple fugue d'adolescents se transforme en disparition beaucoup plus inquiétante, et finalement va faire basculer ce couple ordinaire dans une situation qui va les dépasser, qui va les projeter de Brooklyn à Paris pour terminer dans la jungle amazonienne. Et c'est un thriller, mais vraiment irrigué par des moments de comédie assez nombreux. Prendre un couple qui se connaît par cœur, qui s'est quitté pour des raisons très précises, souvent pour une incompatibilité de caractère, et les remettre ensemble quelques années après et voir ce qui se passe, en fait, c'est très stimulant, c'est très drôle, c'est très jouissif.